Dans l'actualité également, les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif entament une série de rencontres avec les coalitions des partis politiques et la société civile. Elles appellent toutes les couches sociales à une réflexion axée sur la conciliation. Maarouf Ba nous en dit plus sur la rencontre avec la coalition pour la rupture. Après leur nomination comme facilitatrice du cadre du dialogue par le premier ministre chef du gouvernement, elles viennent d'entamer une immersion au sein des coalitions des partis politiques. La coalition pour la rupture constitue la première étape de cette tournée des facilitatrices du cadre du dialogue. Les échanges ont été fructueux. Nous allons évidemment porter au niveau de la plateforme ce qui a été dit ici. Et je voudrais, avant de quitter au nom de mes collègues, remercier vraiment pour tout ce que nous avons entendu ici et noter la disponibilité de cette coalition à bien participer au dialogue. La coalition pour la rupture, qui regroupe 17 partis politiques, accueille ses facilitatrices et se réjouit déjà de l'engagement de ces dames. À l'occasion de cette haute rencontre, les détails seront déclinés et probablement des documents nous seront proposés sur lesquels nous aurons le temps de réagir, et tout cela pour enrichir, n'est-ce pas, les préliminaires et permettre aux Guinéens enfin de se retrouver autour d'une table pour parler de l'avenir de notre pays. Après, ici, à la coalition pour la rupture, ces facilitatrices rencontreront toutes les autres coalitions et la société civile. Ce pour écouter toutes les parties prenantes avant la tenue d'une séance plénière.